analytics soit efficace, il faudrait qu'il y ait voilà, plus de lignes pour faire environ un mètre. D'accord. Un mètre. On pourrait mettre... Non, je sais bien. Mais on... Donc du coup, moi, je vais changer les caractéristiques des vagues. Je ne sais pas si je vais pouvoir atteindre ça. Mais on va générer des vagues très courtes. On ne fait jamais ici. Mais on va essayer de le faire quand même. D'accord ? Les vagues les plus courtes possibles. Normalement, pour les vagues très courtes, ici, on appelle ça un ordre de grandeur. C'est-à-dire à peu près la même distance. Le geek devrait être efficace. Et puis après, on va l'allonger. Et on va voir que c'est de moins en moins efficace. La longueur d'onde diminue avec la profondeur. Et les efforts, il faut essayer de regarder la concordance, enfin à quel instant elle bouge dans un sens et comment est la vague. C'est à la crête. À la crête, vous voyez, c'est quand le niveau est maximum, la force est dans ce sens-là. Au creux, la force est dans l'autre sens. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a une force dans un sens, à la crête, et une force dans l'autre sens, au creux. Donc là, la digue, elle subit des efforts. S'il y avait un sol, un sédiment, eh bien, elle enlèverait le sédiment et tout doucement, elle s'enfoncerait. D'accord ? Mais quand on pose des digues comme ça, généralement, on enlève le sable et on va mettre des cailloux. Comme ça, le sol est bien stable. Donc maintenant, on a le choix. On a deux paramètres sur lesquels on peut jouer, cette longueur ou la hauteur. Je vais augmenter un petit peu la hauteur. Quoi, à votre avis ? Est-ce qu'on peut augmenter la pointe comme ça, de manière infinie ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, ça s'appelle comment ? Quand elle tombe ? Elle déferle. Elle déferle. Donc c'est ce qu'on appelle le déferlement. La vague, elle va avoir une forme comme ceci. Elle va déferler. D'accord ? Et ça, le déferlement, ça crée la dissipation. Ça va diminuer l'énergie. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec ces digues-là. Bon, on cherche à faire déferler les vagues. D'accord ? Quand vous entendez la musique de votre voisin, qu'est-ce que vous entendez ? Ce sont les basses fréquences. Vous entendez les basses. Vous n'entendez pas les sons aigus. Parce qu'ils sont coupés par les murs. Pour les digues, c'est pareil. Tout ce qui va passer derrière, c'est plutôt les basses fréquences. Tout ce qui va être coupé, diminué, c'est plutôt les hautes fréquences. D'accord ? Donc les graves passent, les aigus restent. Si on veut qu'il y ait moins de graves qui passent, c'est ce que je vous disais, il faudrait que la digue elle soit beaucoup plus large. Mais j'enseigne la physique des vagues aux étudiants en sciences de la Terre qui s'intéressent aux côtes, aux estuaires, aux fleuves. C'est super. Donc, 20e essai. C'est bien ? Ah, super, franchement. C'est... Mais en fait, ce qui doit être terrible, c'est de se dire bon, on arrête là. Ouais, là. Il y a tout le monde ?